Et alors bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Rocketplay, je vous retrouve pour une vidéo les bros, une petite vidéo aujourd'hui, un peu coup de gueule, désolé si je suis nul, hein, j'ai lancé mon jeu, donc je fais à peu près comme la plupart de mes vidéos un peu à l'arrache cette vidéo là, comme vous voyez donc il y a pas longtemps je suis repassé sur PS4 depuis les vacances dernières, je suis revenu un peu sur PS4, alors à la base c'était pour faire la cup. Et ensuite c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de mettre ma PS4 là où il y avait mon PC de base, donc je me suis dit bah, je vais la mettre et puis voilà. Mais aujourd'hui c'est pas de ça dont je parlais. Et aujourd'hui je parlais des contrôles, vous savez, Legacy, qui vont être supprimés du jeu. Alors Legacy, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça, vous allez voir. Donc c'est les anciennes sensibilités en gros. Donc vous avez exponentiel, linéaire, qui sont juste là, voilà, exponentielle et linéaire. Linéaire, je crois que c'est à peu près pour les genres créatifs ou les trucs dans le genre, je sais plus trop. Je crois, en fait, courbe de vision, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce que ça change. Mais je crois que c'est un peu plus fluide ou une connerie dans le genre, je sais pas du tout, hein, désolé si je dis de la merde. Mais voilà. Donc moi, je joue avec les anciens contrôles de caméra, comme la plupart de mes potes, et bah, c'est vrai que je me suis toujours habitué à ma sortie, hein. Et du coup bah j'ai jamais trop changé, j'ai jamais utilisé nouveau contrôle de caméra pour jouer in game ou quoi. Par en créatif j'ai dû tester ça quelques petites fois, mais sinon sans plus, ouais, j'ai pas kiffé plus que ça. Je sais que les anciens contrôles de caméra bah, c'est comme ça que je joue avant, et du coup je me suis dit que j'ai jamais trop changé. Et depuis bah avant-hier je crois, on a eu un truc dans les actualités qui nous dit que les anciens contrôles de caméra vont être supprimés du jeu. Donc à ce moment là je me fais quoi, qu'est-ce que c'est que ce délire, en plus on était en plein tournoi je crois à ce moment là donc j'ai un petit peu la haine, mais bon je me suis bah écoute on va faire avec, hein. Voilà, mais pourquoi ils suppriment ça, pour ceux qui savent pas sur PC, enfin à mon avis ce serait con de pas trop savoir, mais pour ceux qui savent pas je vais quand même le dire. C'est-à-dire que sur PC, il y a un problème de dalle à visée. Avec la dalle à visée sur PC, quand vous jouez que en Legacy et que sur PC, donc quand vous avez les anciens contrôles de caméra avec sur PC, en étant sur PC, et bah vous pouvez viser à travers les murs. C'est-à-dire que vous faites, je vais pas vous montrer des clips parce que je suis sur PS4, sinon peut-être je vous aurais montré deux trois clips. Mais en gros, par exemple, vous pouvez aller voir l'exemple de ma gueule sur Solary, ils ont fait un clip de malade, c'est-à-dire que ma gueule vise à travers un buisson. Vu que, bah voilà, à cause du problème, il vise à travers un buisson. Et il met trois têtes. Il met trois têtes au mec, en plus avec l'ascar mythique. Du coup, bah, clairement, overcheaté. Et du coup, bah, c'est vrai que ça fait chier énormément de joueurs, et même moi en partie, hein. Je suis genre PS4, enfin, entre guillemets, et maintenant je suis un peu repassé sur PS4, donc on peut dire, enfin, je suis très mitigé, je suis revenu vite fait, mais on peut dire que pour l'instant je suis revenu un peu sur PS4, donc on va dire que je suis genre PS4. Moi-même étant genre PS4, j'ai même pas encore testé le problème, hein, d'aide à la visée. Sur PC, je me dis de toute façon ça va servir à rien, ça sert à quoi que je teste ça. Donc j'ai un peu la haine que les anciens contrôles de caméra sont enlevés, mais alors pourquoi ils sont obligés de l'enlever et pourquoi ils ne règlent pas ce problème. Alors je pense qu'à la base, dès que les nouvelles sensibles sont arrivées sur le jeu, ils voulaient les supprimer, ça c'est sûr à 100%, mais on pouvait toujours on pouvait toujours reprendre son ancienne sensible, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ça, je suis nul, c'est grave. Donc voilà, et c'est aujourd'hui, enfin c'est aujourd'hui, c'est dans 5-6 jours, pour l'instant il y a écrit 6 jours, mais ça doit être dans 5 jours, que ces soucis-là vont être supprimés. Je n'ai vraiment pas envie de me train ou quoi, pour l'instant je m'en fous, je reste avec les anciennes sensibilités, jusqu'à la fin, ça sert à rien de changer je trouve, même si c'est pour train ou quoi, je sais pas. Je blabla beaucoup, désolé, hein, pour ceux qui aiment pas trop les vidéos blabla, mais c'est vrai que je parle souvent de... J'essaie de faire vraiment des petites vidéos info de ça, même si vous savez tous, voilà, je voulais la faire, mais c'était en tournoi et j'avais la flemme de faire, j'avais pas le temps en plus. J'avais essayé deux fois de faire cette vidéo là et j'avais pas réussi. Et du coup, bah voilà,
ancienne sensibilité supprimée à cause du problème. Vous pouvez aller voir des clips hein, de ma gueule, comme je vous ai dit par exemple. Vous allez sur sur YouTube ou quoi, je sais pas si c'est possible sur YouTube. Mais vous allez dans sur la chaîne Twitch de Solary Fortnite. Et vous verrez que là il y a deux jours ou un. Ouais, il y a deux jours je crois. Mais ah ouais, c'est sûr et demain, vu que c'était vendredi. Ma gueule qui met trois têtes à travers un bush. Donc oui, voilà, vous pouvez viser à travers les bâtiments, à travers les buissons. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un gros problème. Donc bon, ils vont supprimer de ça. Mais imaginons, il y a quelques mois plus tard, il y a encore ce problème avec les nouvelles sensibles. On fait comment? À ce moment-là, je sais pas du tout. Donc voilà les gens. Bref, c'était Over Codeplay. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas, enfin, pas qui vous aura fait plaisir, mais qui vous aura plu. Si je fais des vidéos comme ça, c'est juste parce que j'aime bien blablater et j'ai pas envie de le faire en live, parce que si je le fais en live, la plupart du temps, je le fais le matin et le matin il y a pas beaucoup de monde. Donc c'est vrai que je préfère le faire en vidéo. Donc voilà. Bref. Pour ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma chaîne si vous voulez bien, et puis voilà. Sur ce, c'était Over Codeplay. Bye bye tout le monde. Ciao.